Bonjour à tous. Cette vidéo n'était pas prévue. Il s'est passé un événement majeur dans ma vie qui m'a fait prendre la décision de faire cette vidéo. J'ai fait du rangement dans mon bureau et je suis tombé sur une boîte avec des souvenirs concernant ma vie d'enfant, d'adolescent et d'adulte. Vous savez que dans ma famille, nous avons toujours été très conservateurs et que lorsqu'il se passait un événement quelconque, nous écrivions dans un carnet où nous prenions des photos, où nous filmions. Ce que j'ai découvert dans cette boîte est un don du ciel. Car il arrive précisément au moment où certaines divulgations et diffamations à mon encontre arrivent. Cette cassette qui va suivre, c'est ma vie. Je m'appelle Jean-Charles. Cette cassette restera évidemment confidentielle. Je sais même pas pourquoi je fais ça d'ailleurs. Enfin, je fais ça au cas où les papiers disparaîtraient, au cas où il m'arriverait quelque chose. Je veux que cette cassette soit quand même la preuve de ce que j'avançais. Il se déplace la plupart du temps en Jaguar ou en Rolls-Royce. Noir. Glace teintée. Je me suis fait suivre plusieurs fois par ces gens-là. Le 5 décembre 1988. C'est pas vieux. Car aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 1989. J'insiste bien sur la date parce que après, on saura plus où on en est. Donc, je dis donc. Nous commençons par Jean-Charles, bonjour. Oui, bonjour Florent, bonjour Jimmy. Bonjour Jean-Charles. Jimmy voilà. Gueux, est-ce que vous connaissez Jean-Charles? Et Jean-Charles, est-ce que vous connaissez Jimmy Gueux? Est-ce que vous êtes déjà rencontré? Je me rappelle d'une rencontre dans une grande surface, c'est ça, voilà. Oui, voilà. Je me permets de vous appeler à la radio, parce que moi-même j'ai des problèmes, j'ai vu des choses que je n'aurais peut-être pas dû voir, notamment...